Yo les gens, c'est Xeima et on se retrouve pour un nouvel épisode des Schtroumpfs. Nous nous retrouvons enfin dans le terrible laboratoire de Gargamel, enfin la maison de Gargamel, qui sera le dernier donjon du jeu, enfin un des derniers niveaux du jeu, et donc j'espère un des derniers, j'aurai mon son, voilà, un des derniers épisodes, parce que bon, c'est long surtout quand on voit qu'au dernier épisode je suis mort, enfin j'ai eu je ne sais pas combien, oh, il y a une vie, on prend de la vie, et il y a des feuilles, on prend des feuilles. Que je vais trouver ce que je voulais dire au final. Quand on voit le nombre de game over que j'ai eu au dernier épisode, il est hors de question que je me retape ce niveau. Mais bon, si on a un game over, on n'aura pas trop le choix. Doucement, doucement. Voilà. Donc là, faut juste gérer sur la vitesse. Doucement. Calme. Comme disait Joueur du Grenier, ce niveau-là n'est pas très difficile, c'est juste que c'est stressant. Voilà, faut juste éviter de pas toucher les pics. Ouais, toi tu vas te barrer tout de suite. Ouais, par où je suis censé... Ah ! Bon d'accord, ok. Faut pas toucher le plafond. En fait, on a pas le droit d'aller trop dans les airs, sinon la bulle est pète. D'accord, je retiens. Donc doucement. Par contre, mourir à ce niveau relève du miracle. Enfin, de la malédiction plutôt. Il y a juste la crainte de faire un time-out en fait. Ah ! Bon. La seule crainte qui... Arrivé ? La seule crainte qu'il y a, c'est d'arriver en haut, mais en pas assez de temps. Et donc du coup, que le temps soit écoulé et que... Enfin, vous m'avez compris. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Oula, doucement, doucement. Calme, zen, tranquille. Ok. Oui, parce que comme c'est toujours la même session hein, par rapport au pont la dernière fois. Donc du coup, je suis un petit peu sur les nerfs, vu le temps que j'ai mis à faire ce fichu niveau avec le tronc, là. Du coup, j'ai tendance à vouloir faire les choses trop vite. Ah, voilà, typiquement. J'ai voulu aller trop vite parce que j'ai vu le piaf, alors je me suis dit je vais passer tout de suite. Mais j'aurais pas dû... Tranquille. On va attendre que le piaf y passe. Allez, petit piaf. Va-t'en. Voilà, faut y aller tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ah, dommage, on y était presque. On va y arriver. Par contre, honnêtement, mon chrono a plus de pile. Donc du coup, j'y vais au feeling quant à la durée de l'épisode. Je pense que j'aurai le temps de faire ouais, ce niveau-là et peut-être celui d'après, éventuellement. Ah ! Voilà, le corbeau a très bien illustré le bruit. Ah ! Voilà. C'est un corbeau, pas un perroquet. Prends ton temps, Xe, prends ton temps. On va pas nous faire un time-out, ce serait trop con. Pourtant c'est bien parti, il n'y a plus que 20 secondes. Enfin 20 secondes. Leurs secondes sont un peu bizarres, hein, mais bon. On repassera sur le sujet. Zen, pas de mouvement brusque. Je pense que si je fais un time-out, je crois que je vais aller faire une pause. Histoire de me calmer un peu par rapport au niveau d'avant. Et
et je reviendrai quand je serai un peu plus calme et reposé. Parce que c'est à mon avis, je vais finir par faire un time-out. Voilà, il n'y a plus que 9 secondes. Enfin, 9 unités de temps schtroumpfienne. Ouais, donc c'est bon, laissez tomber. On n'arrivera pas au bout. Donc on y va en mode YOLO. Allez, YOLO. De toute façon, on a perdu, donc on s'en fout. Yeah. Ça se trouve, il y a un moyen d'aller plus vite par là, tu sais. Non, ça aurait été trop simple. Bon, allez. Time out. Voilà, time out. Donc on est reparti. Coucou. Bah, du coup, il y a re des feuilles, on va pouvoir récupérer les feuilles. Casse-toi, petit papillon. Casse-moi deuxième, petit papillon. Ah, puis récupérer une framboise, c'est pas mal. Tu m'as pas eu. Haha, c'était une feinte. Voilà. Donc, vous savez quoi, je mets pause ici. Voilà. Et je vais faire une petite pause, je reviens tout de suite. Voilà, heureux. Donc pour vous, ça aurait été une fraction de seconde. Moi, ça a été une petite pause de 5 minutes. Donc, on va pouvoir repartir tranquillement sur ce niveau simple, mais pas difficile. Enfin, simple, mais pas difficile. Oui, bien sûr, Xaï. Simple, mais stressant. Comme dit notre ami joueur du grenier. Hop. Il y a juste ce piaf que je sais absolument pas comment passer au fait. Parce que si j'y vais trop vite, ça passe. Ah, peut-être en passant par en dessous avec un peu de chance. Oui, ça passe. Doucement. Doucement, malheureux. Doucement. Yes, on est passé. Alors, c'est par où? C'est par où? C'est par où? Ce serait par là, à l'arrache, là. Ouais, c'est par là. J'ai cru voir un piaf, ce qui m'inquiète. Cling. Voilà, et donc nous arrivons dans le manoir de Gargamel. C'est parti. Bien que les gâteaux du Schtroumpf gourmand soient fameux, ils ne semblent pas être au goût d'Azrael. Bon, par contre, j'ai pas fait la voix du grand Schtroumpf. Non. J'ai toujours mal à la gorge. Encore. Bon. Casse-toi la mouche. Casse-toi la mouche. Attends. Casse-toi la mouche. Oh, headshot. Bon. Coucou Azrael. Aïe. D'accord. C'est marrant, ça fait pas le même. Il fait pas le même bruit que dans la vidéo du joueur du grenier. Ah, d'accord. Bon. attendez, je reviens. Voilà, re. Donc, saute. Raté. Casse-toi, Azrael. Casse-toi. Vilain chat. Casse-toi, plante. Tu ne mourras pas. C'est par où? C'est par là. Je saute. Plante de merde. Et si je suis... Évidemment, ça marche pas. C'est bon. On esquivé. Petite mouche. Mat. Headshot. Ah, plante, on va l'éviter. Y a pas moyen d'aller là-haut. Comment je fais pour aller là? Tu sautes pas assez haut, Azrael. Ah ah. Ah. Ok. En zen. Le chat est en bas. Hop, il est... I. Fuite. Merde, je suis face à face à Azrael. Fuyons. Ça, merde. Yes. Zen, tranquille, calme. Attention la plante. Je dis attention la plante et je me jette dedans. Bien sûr. Bon, on est reparti tranquille. Aïe.
Je me demande à quoi sert la barre de vie là, au fait. Vu qu'à chaque fois que je fais un truc, ça me one shot. Coucou le chat. Au revoir le chat. Si tu veux. Je suis hors de portée. Comment tu me touches, saloperie? Là. Puis là. Puis saute. Yes, on va esquiver. Chat, saute. Dans l'autre sens. Yes. Voilà. Touché. Hop, on saute. On fait attention à la putain de plante. Voilà, on saute. Aïe, 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 la plante. Comment je passe ça? Là-haut. De chat. Et merde. On va y arriver, promis. D'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment. Tu sautes, con de chat? Voilà, tu sautes, c'est bien. Saut de l'ange! J'y vais totalement au pif! Merde, là, il fallait sauter là! Saute. Saute, con de chat. Merci. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Run away! Et bon. Game over. Donc on se retrouve pour après. Quand j'aurai refait tout. Je pense que je vous mets que les morts. Au pire, vous verrez au score. On s'en fout. Voilà. Vous verrez au score. J'augmenterai le score. Vous verrez bien le nombre de game over et tout ça. Vu qu'à chaque fois on reprend la descente, je vais pas tout vous remettre. Parce que là, ça va être énormément de game over, je pense. Je pense que je vais pas vous montrer, ou alors je vous montre vraiment que les morts. Ouais, non, sinon ça va être chiant. Ouais, non, vous savez quoi? Vous verrez au score sur le côté le nombre de morts, hein, ça va être plus simple. Voilà. Donc, je vous retrouve juste après, donc pour vous ce sera dans quelques secondes, pour moi ce sera dans peut-être une heure ou deux, le temps que je finisse d'arriver au bon endroit. Voilà. Donc, à tout de suite. Heureux. Cette mouche ne me touchera pas. Voilà. Tant que je suis là, allons-y. Descends. T'es allé beaucoup trop vite, toi. Tu triches. Saloperie, tcha. On dirait le mien. Yeah. Bon, enfin. T'y arriver à un moment. Non. Ok, alors ce gaz, on va attendre qu'il passe. Évidemment, il va passer que quand je vais sauter, hein, sinon c'est pas drôle. Non, c'est bon. Et merde. Saute. Passer des heures sur un niveau qui pourrait être pourtant tellement simple. Tout à ta gueule. Ta gueule le chat. Comment je passe ça? La plante me rattrape à chaque fois.
Dites-moi que c'est par là, dites-moi que c'est par là. Putain, c'est pas par là. Con de chat. Bon, que ça passe. Yes. Récupérer des feuilles, avec un peu de chance, je vais pouvoir récupérer une vie. C'est bon. Oh putain, je le sens tellement mal ce niveau. Je me rappelle pas du tout de ce niveau, mais je le sens très mal. Choque-moi ce putain de truc. Cours, saute. Ah, je passe par où? Il m'attaque de tous les côtés, je fais comment? T'as les livres à tête chercheuse, pourquoi pas? Oh, dites-moi que ces feuilles vont pouvoir me permettre de récupérer une vie. Allez! Il me manque une feuille! Allez, une petite feuille! Une toute petite feuille! Pour ma survie. Allez, allez. Et à partir de là, les amis, on pleure. C'est parti. YOLO. Bon, ok, tu m'expliques comment je fais là. Non mais, je vous explique. Allez, allez, allez. C'est pas possible, en fait. Tu ne peux pas. C'est... D'accord. Au fait, ce boss n'est pas possible. Mais il tire pas au bon endroit, ce con. Bon, bah, écoutez. On est reparti. Bon. J'aime pas les boss impossibles, en fait. Vous savez quoi, je pense qu'on va faire un truc, c'est que je vais... Je sais pas quoi ce que je vais faire en fait, parce que vu qu'il reste plus que le boss de fin, est-ce que je vous le mets dans une prochaine vidéo ou est-ce que je vous le mets dans cette vidéo? Ouais. Ouais. Je pense que ce que je vais faire au final, c'est que je vais vous mettre le nombre de morts total à la fin. Et je vais vous montrer seulement le boss de fin. En sachant comment faire, parce que je n'ai aucune idée de comment faire, honnêtement, parce que là, je sais pas si vous avez vu, c'était extrêmement rapide. Donc, pour vous, ce sera dans quelques secondes. Et pour moi, bah, je vous dirai quand ce sera. Voilà. Donc, à tout à l'heure. Et cette fois-ci, je vous jure qu'on le finit, ce fichu jeu, on le finit. C'est parti. Oui, oui, enfin! Et là, je tombe dans le vide et je pète un câble. Enfin! Réussi! Ah! Dieu, Dieu de bordel de merde! Enfin, on a réussi ce jeu absolument horrible! Ça fait plaisir, putain. Ça fait putain de plaisir, de putain de bordel de merde de plaisir. Quelle chose trouvée la chanson faite. Nous désespérons de la revoir, effectivement. Nous sommes enfin réunis pour ces belles sommes. Nous allons ensemble, je trouve, faire une petite fête. Youpi! J'espère que vous allez, vous allez ériger un monument à ma gloire ou je ne sais pas. Parce que vu comment j'en ai chié... Oh la vache. Oh là 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 là. Bon, on peut passer le générique? On peut pas passer le générique. Bon. Bah écoutez, pendant que le générique passe, je vous dis... Bah, je vais pas compter là comme ça, mais en post-prod, je compterai, je vous afficherai là
tout de suite, en plein milieu de l'écran, je vous afficherai le nombre de morts total de tous les let's play, le nombre de game over total pour tous les let's play, je sais plus parler déjà. Et je peux vous dire que c'est un nombre assez hallucinant. Après, c'est vous qui voyez, soit c'est le jeu qui est absolument horrible, soit c'est moi qui ai un boulet, ce qui est très probable également. Mais bon, en tout cas, content d'avoir fini, ça fait plaisir. Bon, et ben c'est sur ce The End, en plein milieu de l'écran, que je vous dis à bientôt et... Donc, que je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que ce let's play vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre pouce vert, tout ça. Allez vous abonner, rejoindre les réseaux sociaux et compagnie. Hein, vous connaissez le proverbe. Et donc, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao. Enfin terminé ce truc. Enfin. Ouh. Allez, ciao ciao.